en compagnie d'un humoriste que je qualifierais de la... Non! Fais-moi plus jamais ça! Oh, que c'est chien! J'aurais aimé être un acteur. Je sais pas jouer la musique, je sais pas chanter, mais je sais faire des shows, moi. C'est deux mots. C'est... Fait que je me donne l'attitude, puis je prends des positions un peu viriles. Puis... Comme ça, c'est speaker. Ouais. Pis c'est ça qu'ils appellent viril. Ça me surprend pas ta carrière musicale qui a pas levé dans le... C'est, j'étais malgré tes différences, fait qu'une chanson faite pour ma blonde, parce que je l'aime malgré ses différences, puis on fait plus de compromis à Star, fait qu'une chanson pour elle. Puis là, ça y va, je t'aime. Parce que tu me juges pas. Ça va être intense. Je t'aime. Parce que tu me fais sentir mieux. Il y a de la musique d'habitude, hein? Je t'aime. Même si t'as pas de cheveux. Je te ramène sur l'agressivité, tiens. On est rendu trop sensuel à mon goût. Tu te frappes. Tu t'es blessé ce soir. Est-ce que tu as une assurance spéciale pour ta forme d'humour? Non, absolument pas. Absolument pas. Et je me fends souvent. Mais là, c'est la première fois que je me fends ici. Vous allez montrer. Regardez. Peu de micro dans le visage. Il faut savoir aussi que je suis intense. Je me suis déjà cassé le pied pendant un show d'humour. J'ai sauté, j'ai produit des shows là, au lundi du délire à Sherbrooke depuis 6 ans. Puis j'ai un gros band, puis une toune d'intro. Puis moi, je m'appelle pour une rockstar. Fait que j'ai une toune d'intro quand j'arrive. Puis je saute du bass drum dans les airs, puis j'écarte mes jambes comme rockstar. Puis je retombe à terre, mais je vois pas les fils. Puis il y avait un nuage de boucan. Puis à twister, j'ai cassé ma jambe, mon pied. J'ai fait le show pareil au complet, assis, ça avec de grosses sueurs. Mais show must go on, tu comprends? Mais ouais. Mais c'est quoi que. Je suis parti d'une chire, mais c'est quoi que tu voulais savoir? Que Tu prenais des assurances spéciales? Ouais, non. Puis, anecdote très drôle, je suis très intense. Je l'ai fait un gag ce soir parce que je me donne des coups de micro dans le front. Puis, j'ai déjà fait une école secondaire. Puis, je suis tellement colon que je fais mon gag, je fais mon premier coup de micro dans le front. Puis là, il y a comme. Tu sais, les jeunes sont intenses, hein? T'as pas moins de grand chose, puis ils capotent. Puis là, ils font hey, man! Hein? Quoi? OK. Fait que là... Il y a des fans. Non, mais c'est ça. Je fais une école de secondaire, puis je me donne un coup de micro dans le front. Puis là, les jeunes qui se lèvent, puis ils font... T'es vraiment hot, mon gars! Fait que quand j'arrive au deuxième coup de micro, je le donne un peu plus fort, tu comprends? Puis il y a une gang qui se lève de 6 jeunes qui font... T'es pas game, plus fort! Moi, orgueilleux, t'es pas game. T'sais, ben oui. Fait que je me recule, puis je me donne vraiment un petit coup de micro de la mort. Puis un petit ring, les frères, autour de la boule de disco qu'on appelle, là, sur SM58. Hein. Mais je ne l'ai pas vu comme. Puis ça me fendu le front. Mais moi, je ne me suis pas rendu compte. Puis il y a quelques jeunes qui se sont levés en la main. En fait, man, t'es trop hot. Tu pisses le sang par le front. Man, tu pisses le sang par le front. Mais moi, tellement cave, je me donne tellement que j'ai l'impression que c'est une nouvelle expression de jeune qui veut dire que t'es hot. Fait que je m'en contrefou qu'il me dise ça. Okay, moi, je pense que c'est pas vrai. Fait que je m'étends le sang comme ça parce que je pense que je suis sur les bords de mes tempes. Écoute, j'étais comme le Ozzy Osbourne de l'humour. Et on te laisse faire des shows dans le milieu scolaire, donc. Oui. Je pense qu'à cette heure, il faut être polyvalent. Il y a beaucoup d'humoristes dans la relève, si tu veux. Si tu n'es pas capable de t'ajuster au bar, si tu n'es pas capable de faire du corpo ou des écoles, tu vivras pas, tu sais. On vit dans un maudit monde où on a besoin de catégoriser tout le monde. T'sais, on te voit une fois, si on te voit faire du cul une fois, on va dire t'es un humoriste hard, mais dans le fond, non, pas moi. Je m'adapte vraiment. J'adore faire des écoles secondaires. C'est une autre façon de faire rire les jeunes. L'attente n'est pas pareille. L'adulte, t'as besoin d'aller chercher beaucoup. Tu comprends, il va être comme ça, il va te juger s'il te connaît pas. Mais un enfant, t'as juste à faire une face drôle, un son de mongol, puis t'es là, tu comprends. Fait que c'est une autre façon, tu travailles plus ton physique que tes mots. Puis je trouve ça bon quand tu veux devenir humoriste, de développer ton jeu comique à travers tes mots. Je trouve ça un bel endroit. C'est beau. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand je t'ai posé une question sur le milieu scolaire, tu as répondu que tu étais polyvalent. Les jeux de mots émanent de lui-même. Ben oui, puis ton entrevue, je te le dis, elle n'est pas secondaire. Oui! Je pense qu'on va finir là-dessus. Hey, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Max? Qu'est-ce que quelle note veux-tu finir, cher, pour les Amossois qui t'ont peut-être adopté ce soir? Je vais finir avec un « la ». La.
Merci. Belle finale.